santé des mineurs. Ah, qui les amuse. Ciao a tutti, focus sulla grappa di Marollo, sì. Je tiens bien l'italien. Avant de parler de la maison Marollo qui sera au cœur des discussions aujourd'hui et de déguster ce délicieux breuvage, on va parler un petit peu de la grappa. Qu'est-ce que la grappa? Alors la grappa, c'est produit en Italie, c'est une appellation, qui est produite à partir donc, de la fermentation et de la distillation du marc de raisin. Alors le marc de raisin, c'est quoi? C'est tous les éléments solides du raisin, en fait, qui sont fermentés et distillés. Contrairement donc au cognac ou de l'armagnac, c'est du jus de raisin distillé, la grappa ou les marcs en France, c'est les cousins en fait, sont issus donc des éléments solides qui vont donc du pépin à la peau du raisin. Donc ce sont souvent des alcools qui ont un peu plus de matière, un peu plus de caractère, un peu plus sec aussi souvent, et on a vraiment ce goût, voilà, un peu de tanin, comme ça, plus prononcé que dans un cognac. Pour produire une bonne grappa, il faudra vraiment que le marc soit de 1, de qualité, donc issu de vignes nobles et pas de cochonneries de vignes totalement pulvérisées, et de 2, qu'il y ait un stockage aussi des marcs qui soit relativement court. Donc, c'est-à-dire qu'après donc, avoir récolté le jus de raisin pour en faire du vin, les marcs doivent être évidemment directement envoyés dans les distilleries pour la distillation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a tendance à pourrir, ce qui fait que ça, après fermentation et distillation, peut avoir de gros problèmes au niveau goût, au niveau aromatique. Souvent, les mauvaises grappas, c'est à cause de ça. C'est un temps de stockage beaucoup, beaucoup trop long des marcs. Donc vraiment, plus le marc sera frais et de qualité, et plus on aura une grappa vraiment de haut vol. Alors la grappa, donc, comme je disais, ça, ce sont des fermentations spontanées ou alors des ajouts de levure. Fermentation spontanée, hein, c'est comme un peu comme je vous avais déjà parlé pour le clairin notamment, c'est les bactéries de l'air ambiante qui vont faire la fermentation du produit. Il y en a quand même très peu qui le font, mais bon voilà, il y en a encore quelques irréductibles qui vont être vraiment totalement dans l'artisanat. Alors au niveau de la distillation, on trouve beaucoup d'alambic à bain-marie, ça fait intéressant, puisque là c'est vraiment une distillation qui est très lente, très, très douce, qui va permettre vraiment d'aller chercher vraiment les arômes les plus fins de la grappa, des alambics en cuivre aussi classiques et traditionnels. Alors après la grappa, on distingue plusieurs types de grappa. Vous savez, on connaît bien la grappa blanche qu'on vous sert dans les pizzerias bien bien frappée. Alors pour reconnaître un bon spiritueux blanc, souvent, il faut le boire, ou en tout cas, on doit vous le servir en restaurant, tempéré, parce que quand on le met très très froid, quand on le met au congèle, etc., c'est vraiment pour masquer quelque chose, pour moi, quelque chose de trop sec, trop alcooleux. Donc, il faut toujours demander votre grappa au restaurant, tempéré, parce que sinon, vous avez vraiment quelque chose de hyper froid et peu complexe à mon sens. Donc même une grappa blanche, hein, vous la demandez tempérée, une bonne grappa, on la dégustera dans un verre comme ceci de type Porto, ou alors les Copita, comme j'en parle dans une review. Alors les grappas blanches sont des grappas qui sont non passées en fût de chêne, donc qui ne sont pas vieillies dans des barriques. Donc on ne va pas avoir de 1 cette belle couleur ambrée, donc elles sont transparentes, et on va vraiment avoir le goût de la matière première. Donc là on va vraiment reconnaître et goûter le savoir-faire du distillateur. Les alcools blancs, moi j'adore, que ça soit les mescales, les eaux de vie de fruits, certaines vodkas aussi. On reconnaît vraiment le travail du distillateur sur ces alcools-là, puisque si le produit est bon comme ça sans vieillissement, il ne peut être que merveilleux avec un petit passage en barrique. Donc les blanches, comme je disais, pas de fût de chêne. Et après, on a les grappas ambrées, comme celle que nous allons goûter aujourd'hui, la grappa di Barolo de chez Marollo, qui est une grappa en fait qui a vieilli dans des fûts, dans ce cas-ci, de chêne et d'acacia. Puisqu'en fait, en Italie, on ne fait pas que des vieillissements en fût de chêne, on fait aussi des fûts, comme je disais, d'acacia, on a aussi de cerisier, châtaignier, et tous ces fûts vont amener une typicité supplémentaire assez intéressante, vraiment. Les Italiens ne s'arrêtent pas du tout aux chênes comme peuvent faire les Écossais pour le whisky, qui eux sont vraiment sur le chêne, de tout type de chêne, mais vraiment uniquement la famille du chêne. Alors on va parler un petit peu de la maison Marollo avant de commencer à déguster ce divin breuvage. La maison Marollo est une distillerie située en plein cœur du Piémont, à Alba,
Il a été créé en 1977 par Paolo Marolo. Alors c'est intéressant parce que lui, il a voulu un peu casser les codes de la grappa classique, traditionnelle, très robuste, très grappe, très asséchante, un peu sur le tanin. Lui, il voulait vraiment arriver à quelque chose de fin, délicat, mais tout en ayant quand même la puissance et le goût de la matière première. Donc c'est intéressant, sa gamme a vraiment fait tirer de la blanche très fruitée à des vieilles Barolo vieillies pendant plus de 30 ans en barrique, où là on a vraiment un bois et un raisin qui se mélangent, qui est vraiment, vraiment terrible, avec un équilibre vraiment parfait. Alors, il travaille comment? C'est assez étonnant, puisque rien n'est automatisé chez eux, donc il y a vraiment un suivi total de la fermentation à la distillation du produit qui se fait dans des alambics à bain-marie. Ils ont deux alambics à bain-marie, un pour les mares blancs et un pour les mares de raisin rouge. C'est assez intéressant, mais ce qui ne donne pas une grosse production. Donc Marolo reste quand même une petite production, une petite distillerie, et propose vraiment, moi je trouve, des produits vraiment de très bonne qualité. Et comme je disais dans l'explication de la grappa, eux, ils sont vraiment spécialisés plutôt dans les fûts de chêne et les fûts d'acacia. Bon, ce fût d'acacia qui va amener un bois assez fin, assez délicat, sur des notes très marquées sur les fruits secs, c'est vraiment très intéressant. Et je vous invite vraiment à découvrir cette très très belle distillerie authentique, italienne, et moderne aussi par les assemblages et par le choix du bois et de la qualité aussi des mares utilisées, puisqu'ils ne sélectionnent vraiment que des mares de haut niveau. On va le voir tout de suite avec cette grappa di Barolo, qui est donc issue des mares de Barolo, qui reste quand même le roi des vins dans le Piémont. Alors, pour le watch, directement, ça colle bien au verre. On voit que le boisé, pendant les 12 ans, a fait son travail. On a vraiment ce côté bien accrocheur, un anneau assez épais, assez gras, avec de jolies larmes qui descendent. C'est sympa, on peut s'attendre à quelque chose d'assez rond, assez liquoreux. À mon avis, des jaunes, quelque chose de peu alcooleux. À savoir qu'ici, la Marolo 12 ans est donc une grappa qui a vieilli 12 ans en barrique de chêne et de barrique d'acacia, mais de petit format. Donc, ce qui fait que le boisé va quand même être présent et se mêler vraiment aux arômes du marc distillé. 50 degrés, je trouve que au nez, déjà quand on pose son nez au-dessus du verre, je trouve que l'alcool est super bien intégré. On a vraiment une belle balance entre le côté vraiment marc de raisin et le boisé de l'acacia et du chêne. Le côté très chocolaté, moi c'est ce qui me vient vraiment au premier nez, côté chocolaté. Un côté fruits secs aussi. C'est vraiment choco-noisette, hein. C'est vraiment, vraiment le dessert. C'est assez gras. Côté un peu mielleux comme ça aussi. Tout en gardant évidemment, et c'est ça qui est intéressant, la fraîcheur du fruit. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a vraiment, on garde encore le fruit. On n'a pas juste un jus de raisin qui est juste vieilli dans un morceau de bois. Une super finesse. On a juste envie de goûter. Autant on est. On n'avait pas l'affluence des 50 degrés en bouche, on sent que ça attaque un peu plus. J'avoue que la première bouche a une belle puissance, mais alors c'est intéressant parce qu'on a un côté très picotant, mais vraiment un côté vraiment poivré, un côté vraiment sur les épices, ce côté piquant, picotant sur vraiment les côtés de la langue. Super intéressant parce qu'on retrouve le côté gourmand, rond, un peu dessert comme ça du nez. C'est vraiment pas mal du tout comme grappa. Et une longueur, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une finesse, une longueur. C'est puissant, c'est vrai que c'est très puissant, mais ça ne fait que monter. La deuxième bouche est déjà différente, forcément l'alcool a posé les bases. Donc ne vous fiez jamais à la première bouche quand vous dégustez un alcool, c'est super important de toujours retourner à la deuxième, puisque la première va poser les bases de l'alcool, forcément. Votre palais n'aura peut-être, quand vous allez déguster votre spiritueux, pas encore eu un alcool fort en bouche.
Donc, vous goûtez, c'est vrai que l'alcool va peut-être être présent, mais la deuxième bouche va vraiment déterminer les arômes et les saveurs, puisque comme l'alcool aura posé les bases dans votre bouche, bah, vous aurez vraiment les arômes et les saveurs qui vont ressortir beaucoup plus à la deuxième bouche. Et la troisième bouche, à partir de là, ça n'est que du plaisir. On le ressent déjà ici, hein. On a plus ce côté voilà, puissant, poivré, alcooleux. On a vraiment ce côté vraiment beaucoup plus rond, plus enveloppant. C'est assez gras, ça colle au palais sur le dessus. C'est super intéressant. Avec des notes un peu aussi, je trouve, de fruits comme la pomme, un peu de pomme rouge comme ça, ce côté raisin qui ressort, le boisé. Et en fin de bouche, on a aussi un caractère un peu réglissé, comme ça, qui amène un côté légèrement asséchant et qui donne envie d'y retourner. Boisson dangereuse, je vous préviens.